من بين النساء المنتفعات بهذا المشروع واللي حصل التغيير في مسيرتهم، هناك برلمانيات يعني وقع انتخابهم في خلال الفترة الانتخابية التشريعية سنة 2019، أربعة منهم واحدة برلمانية مستقلة في إطار منتفعة في إطار مشروع رابطة ناخبة المنسيات مع منتدى الفيدراليات. هناك مجموعة من النقابيات كذلك وقع انتخابهن في مراكز يعني قيادية متميزة في الاتحاد العام التونسي للشغل، وقع انتخابهم في منتدى الاقتصادي والاجتماعي في المجلس الاقتصادي التابع للاتحاد العام التونسي للشغل. هناك نساء يعني كونوا جمعيات نسوية في الانتخابات البلدية لسنة 2018، قمنا بتكوين ودعم قدرات 180 امرأة، 37 منهم نجحوا في الانتخابات البلدية، 12 مستشارة بلدية تابعة يعني منتفعة بمشروع رابطة ناخبات التونسيات مع منتدى الفيدراليات، منهم زوز رئيسات مجلس بلدي. Avant d'être partenaire, j'étais bénéficiaire de ce programme de formation. Donc, je suis le fruit de ces formations. Et maintenant, comme vous le voyez, je suis déjà j'ai pu accrocher un poste de décision qui est la directrice générale de la formation et du perfectionnement au ministère de la fonction publique. L'inclusion des femmes est l'une des principales priorités de notre gouvernement. À ce titre, je rappelle que nous avons développé plusieurs plans d'action, plusieurs stratégies, dont la stratégie nationale pour l'autonomisation économique et sociale des femmes et des filles en milieu rural pour la période 2016-2020. Cette stratégie a dédié tout un axe à la question de l'autonomisation économique et un autre axe à l'autonomisation sociale. Le ministère œuvre et renforce, essaie de renforcer ses interventions avec la collaboration des partenaires nationaux et internationaux, dont le FOF. Le FOF a appuyé les membres du Conseil des pairs par un appui technique. Le ministère a pensé à réviser le décret 626. On a eu l'approbation le 8 mars lors d'un conseil ministériel et nous avons élaboré une nouvelle version qui a le point saillant, je dirais, de cette révision, c'est la création d'unités genre dans les différents ministères. Dans l'élaboration du PANIG, le plan d'intégration et d'institutionnalisation de l'approche genre, à cet effet, 6 plans sectoriels ont été élaborés pour 6 différents ministères, donc dans le ministère de la femme. La nouvelle loi organique du budget 2019 qui a adopté pour la première fois en Tunisie le budget sensible au genre, également le décret gouvernemental 2002-314 du 19 mai 2020 qui exige d'assurer un équilibre 40%-60% à peu près dans les représentations entre les deux sexes, comme dans les conseils d'administration par exemple. Nous avons également développé un plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU. Enfin, je dirais un mot sur les questions de violence à l'égard des femmes. Nous avons adopté une loi très progressiste, la loi 58 de 2017 sur l'éradication de toute forme des violences à l'égard des femmes. Nous avons également développé une nouvelle stratégie nationale remplaçant celle qui a été élaborée en 2006 et révisée en 2012. Et stratégie qui a tenu compte de la question de cette Covid et des textes de l'innovation en matière institutionnelle et réglementaire. La stratégie vient de démarrer pour renforcer les mécanismes dont on dispose pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Suite à un travail de fond avec nos différents partenaires, nous avons pu parvenir à la publication d'une circulaire. C'est la fameuse circulaire numéro 5 du 24 juillet 2020 et qui a consacré, si on peut le dire, la parité et le respect de l'égalité entre hommes et femmes dans toute action de formation. Et cette circulaire qui porte sur la gouvernance des actions de formation et des stages à l'étranger.
Cette circulaire constitue pour nous et nos partenaires et au ministère un moment très important et une très bonne initiative en faveur de l'égalité des chances entre hommes et femmes. وتوصلنا مع مكونات المجتمع المدني إلى تجريم العنف السياسي في القانون الأساسي لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء ونعتبر إحنا أول دولة عربية وأفريقية تجرم العنف السياسي في القوانين بتاعها. On a signé une convention avec la présidence du gouvernement pour mettre en place plusieurs activités et un plan d'action relatif à la consécration de l'approche genre et l'égalité des chances entre femmes et hommes dans la fonction publique. L'activité phare qui a été menée par le Forum des fédérations, c'est de faire un réseautage entre plusieurs pays de la région. Suite à la présidence de la Tunisie l'an dernier, en fin 2020, donc on a pu exécuter une activité très importante relative à la gestion de la crise Covid et le rôle de la femme dans cette gestion. Et on a pu partager avec les coordinatrices nationales des autres pays un échange très fructueux d'expériences, de partage au niveau aussi bien transversal que sectoriel. Il y a une implication très active aussi de la part des autres pays qui font partie de ce réseau et on a travaillé essentiellement sur un plan d'action qui sera mis en place dans les futurs mois. Ce que je commencerai par dire, c'est que finalement, nous travaillons sur un programme de leadership transformatif pour transformer les autres femmes. Et nous jouons le rôle de transformateur, mais peut-être que le premier impact, c'est qu'il nous a transformés. Et il y a plusieurs niveaux d'impact. Alors, je pourrais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous avons travaillé avec des femmes élues. Que ce soit des exemples à Noufida, que ce soit à Sfax, que ce soit à Bizerte, que ce soit à Gabès, que ce soit à Gafsa. Les femmes conseillères sont devenues pas seulement des femmes conseillères, mais des leaders. Et la première transformation, c'est ce qu'elles ont reçu comme transformation pour elles-mêmes. Vous savez, une conseillère municipale qui, au départ, n'osait pas parler de certains sujets et qui ose en parler, ne serait-ce que de parler et d'exiger la parité, ne serait-ce que de parler des besoins des femmes, le fait que par exemple des conseillères arrivent à installer ou à réinstaller des crèches et des jardins d'enfants qui ont été pendant très longtemps oubliés dans leur municipalité, je considère que c'est un impact très très important et ce sont les conseillères que nous avons formées qui ont pu obtenir ce genre de résultats concrets. Une autre conseillère a pu obtenir une salle de sport. Je vais vous donner un dernier exemple, parce que je ne peux pas tout vous dire. C'est vraiment des dizaines d'heures qu'on pourrait prendre. Et c'est tellement intéressant de voir cette transformation au quotidien. Par exemple, une femme qui était officier de l'état civil et qui donc devait célébrer un mariage. Et dans les mariages en Tunisie, en tant que pays qui a comme religion l'islam, eh bien, dans nos mariages, on récite la prière. Elle commençait à réciter cette sourate. Et l'homme à côté d'elle lui dit « S'il vous plaît, les femmes ne récitent pas, ne parlent pas à voix haute et ce n'est pas elle qui récite, c'est un homme qui récite. » Elle s'est tournée vers lui, elle lui a dit « Je récite du fait de ma fonction. » Et elle a continué à réciter et elle a récité avec une voix beaucoup plus haute que celle qu'elle avait auparavant, à tel point qu'il s'est tu. Et depuis ce jour-là, comme dans les belles histoires, elle a continué à réciter à voix haute la fête. Donc l'objectif ultime de cette coopération est d'accroître la capacité des femmes à accéder à des postes de responsabilité et renforcer les capacités à la fois des hommes et des femmes à influencer les politiques publiques en matière d'approche genre et de faire progresser le processus de gouvernance inclusive. Par exemple, nous avons eu le témoignage de Madame Asma Ben Ayed, qui est chef du commissariat régional de Manouba.
des affaires culturelles qui a, suite à ses formations, a pu assurer une formation sur l'égalité des chances pour les femmes rurales. كل النساء القياديات اللي ما قاموا به في فترة الكوفيد 19 ما منعتهمش باش يواصلوا التحرك نتاعهم والنضال نتاعهم والتحرك خاصة الميداني ومد الإعانة وتوعية النساء ضحايا العنف اللي استشرى في هذه المدة. Nous étions particulièrement marqués par la mobilisation des filles lors des premières périodes de la pandémie en Tunisie. Elles ont coordonné en petit comité des actions diverses, allant de la distribution des vivres auprès de personnes en situation de fragilité, notamment les migrants et les migrantes, les familles nécessiteuses. Elles ont mené des actions de sensibilisation sur terrain pour sensibiliser le public à l'importance de la distanciation physique, notamment au niveau des commerces, devant les commerces et les bureaux de poste. Elles ont aidé à la confection, des fois artisanale, et à la distribution des masques. Il y a une action pilote qui a été largement relayée, qui a été soutenue au départ par une de nos bénéficiaires. Il s'agit des premiers modèles de visière. Et nous étions contents de voir que les filles se sont appuyées sur le savoir acquis pendant l'académie pour se mettre en réseau, pour insister sur l'objectif commun et la nécessité de conjuguer les efforts. أهم حاجة كسبوها هو الثقة في النفس. النساء هذوما من خلال مشروع رابطة ناخبة التونسيات مع المنتدى الفيدراليات يعني توصلوا إلى كسر جدار الصمت والتنديد والحديث عن العنف السياسي اللي يتعرضوا له. Nour 3.0 est une action pilote que nous avons accompagnée. Et cette action-là s'insère dans ce que nous avons ensemble appelé avec notre partenaire le leadership en action. Il s'agit d'une proposition qui a été faite par une de nos bénéficiaires qui nous a demandé de l'appui, de l'aide par rapport à l'appellation d'une trentaine de rues et d'avenues dans un quartier nouvellement construit qui s'appelle la Cité des Juges. L'idée de la dame, de notre bénéficiaire, mais aussi du Crédif et de notre partenaire, de mettre le doigt sur l'apport des femmes à travers des siècles, l'apport des femmes dans chaque domaine, mais d'aller au-delà du simple accrochage des plaques, mais de faire une action de sensibilisation et de plaidoyer auprès des habitants, auprès de la ville de Kasserine, mais aussi auprès des générations futures. Nous avons eu des rencontres extraordinaires avec des enfants qui étaient de passage et qui nous ont posé la question: mais qui est cette dame? Alors on leur a demandé de prendre leur téléphone, de scanner le QR code et de voir, de découvrir cette femme. Ce sont des femmes qui appartiennent à la Tunisie, à Kasserine, et qui appartiennent à l'humanité. Et c'était important pour nous de miser sur cet aspect international et humain. C'est pour dire que les droits des femmes, que l'abord des femmes ne s'arrête pas au niveau de Kasserine, ne s'arrête pas au niveau de la Tunisie, mais que c'est un petit peu le lot, l'héritage de toute l'humanité. مستشارات بلديات في ولاية جندوبة يعني في بلدية واد مليز تواصلوا من إحداث مركز لاستقبال نساء ضحايا العنف، تواصلوا باش يدرجوا مسألة النوع الاجتماعي في الميزانية التابعة لبلديتهم. في رواد مثلا هناك وقع إحصاء للأملاك التابعة للبلدية ووقع تخصيص فضاء لبناء روضة أطفال ولبناء مركز ترفيهي خاص بالعائلات وبالأطفال. بالرغم من الصعوبات لكن هما مصرات على المواصلة، يعني كثير منهم يعني باش يقدموا نفسهم للانتخابات الجهوية للبلديات، فما شكون يحب يقدم نفسه للانتخابات التشريعية لسنة 2024، وفما امرأة كذلك مصرة على أن تقدم نفسها للانتخابات الرئاسية. Et cette année-là, c'était assez riche pour créer un changement. Et c'est pour cela, toujours on revient à la question de leadership transformative, de créer vraiment, de transformer, c'est-à-dire transformation par rapport aux candidats et candidates, par rapport aux adolescents et adolescentes, et créer un changement, une transformation par rapport à l'entourage et leur famille. Ado Plus, donc, l'a entamé par un cycle de formation sur un slogan Elle maintenant. Ces adolescents et adolescentes, donc, après ce cycle de formation, on a commencé à détecter des initiatives, on peut dire d'impact aussi très positif, par exemple, quand je me souviens
souviens de Aya, qui est une adolescente qui a l'âge de 17 ans et a un handicap. Donc après une aventure qui a été assez importante, parce qu'elle était vraiment, elle avait un problème d'estime, et elle était assez isolée suite à ces deux plaintes d'égalité. Donc elle a fait quelque chose, une activité assez pertinente. Donc elle a visité un espace dédié pour les enfants ayant un handicap, rien que pour partager son expérience et pour dire voilà, notre handicap, c'est pas une source de discrimination, au contraire, ça sera une source de force. Donc le Crédif, à travers son partenariat avec le Forum des Fédérations, œuvre pour préparer une génération future de femmes leaders pour occuper des postes de décision. Cet objectif est atteint à travers de deux grands projets. L'Académie politique, femmes leaders pour une gouvernance inclusive. Nous étions particulièrement contentes, honorées, émues de voir qu'il y a beaucoup de changements qui ont eu lieu, qui vont vers une meilleure facilité, une plus grande facilité à prendre la parole en public, une meilleure cohésion au niveau de l'équipe, une plus grande facilité dans l'exercice de leur métier. J'aimerais citer quelques exemples, quelques témoignages que nous avons récoltés auprès de ces femmes. Alors, elles disent « J'ai confiance en moi, je prends des décisions sans hésiter, j'assume des responsabilités sans avoir peur. » Deuxième témoignage, elle dit que « Je ne me plais plus dans le statut de la victime, je me révolte, je me prends en charge. » Et une de nos bénéficiaires, suite à l'Académie, a lancé une association d'aide aux personnes démunies, victimes du coronavirus. Nous savons tous, en tant que partenaire, mais aussi en tant que structure qui a travaillé sur la question du réseautage entre les femmes pendant des années, toute la difficulté que nous avons à mettre en place des réseaux. Et bien, je vous annonce qu'un réseau a été mis de manière quasi spontanée. Une de nos bénéficiaires, une ex-constituante, a été interpellée par des collègues au niveau de l'Égypte pour mettre en place une association interarabe qui s'appelle la Ligue de la femme arabe libre. Et du coup, elle me dit que, une, je n'ai pensé ni à mes amis, ni à mes ex-collègues constituantes, j'ai tout de suite pensé aux filles de l'Académie. Quant au deuxième projet, c'est la première édition de l'Académie des Arts, Clap de Femmes, Clap and Say. Il s'agit de la première édition qui vise à soutenir et à accompagner l'émergence de figures de femmes leaders dans le milieu culturel de manière générale et dans le cinéma en particulier. Nous avons foi en cette jeune génération d'artistes. Il y a des choses qui se préparent. Nous avons noté une envie que nous avons accompagnée et encadrée, mais c'est un projet qui est encore en cours, une envie de se mettre ensemble. Donc les filles ont mené un certain nombre de réunions, ont exprimé le souhait de se faire accompagner et de se faire encadrer pour la mise en place d'une structure qui puisse réussir tous les talents existants et bénéficiaires de l'Académie. Donc il y a l'idée de mettre en place une structure qui pourrait être une start-up, qui puisse investir dans l'entrepreneuriat culturel, qui puisse présenter un produit, qui puisse porter une touche féminine, un rêve féminin. Et Polycipé, c'est un outil qui a permis aux enfants de mieux s'exprimer, d'exprimer leurs recommandations, leurs idées, mais à travers tout un processus de diagnostic, de collecte de données, de définition d'objectifs, d'identification des parties prenantes pour la réalisation de ces recommandations. Donc les enfants se sont accrochés à cette approche et ils ont appris vite parce qu'ils sont convaincus que cet outil va leur permettre de mieux s'exprimer et va leur permettre d'être convaincants. Dans le cadre de la préparation d'une génération future de femmes leaders, l'année Y5 coïncide avec la deuxième édition du stage de mentorat.
Ce stage de mentorat vise à faire vivre les jeunes filles mentorées le quotidien de femmes leaders inspirantes. Nous avons recueilli plusieurs résultats. Les résultats qui reviennent le plus cette année sont une plus grande confiance et conscience de soi, des ambitions mieux dessinées pour tracer leur parcours de vie, et en plus, elles se sont rendues compte que le leadership féminin, c'est possible et c'est également accessible. Je voudrais, si vous le permettez, vous lire le témoignage d'une étudiante que je trouve très intéressant. Alors elle dit que la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Une vérité que j'ai pu confirmer après avoir passé mon stage de mentorat. Moi, aujourd'hui, la nouvelle femme, avec plus de force, plus de courage, plus d'estime de soi et d'espoir, je rêve. Je rêve de réaliser tous mes rêves, de ne vivre que la vie que je mérite. Vie d'une femme leader réussie et épanouie. Le partenariat avec le Forum des fédérations est très fructueux dans la mesure où il a permis à bon nombre de journalistes femmes d'être formées en matière de leadership féminin. Ce n'est pas une simple formation, bien au contraire, c'est une formation production. Ce contenu-là a été publié dans différents médias tunisiens. Et c'est un contenu qui incite les femmes à s'émanciper davantage et à prendre la place qu'elles méritent au sein des médias et au sein de l'administration tunisienne de manière générale. Il s'agit d'un projet sur la sensibilisation à la thématique égalité des genres, leadership féminin, et vraiment bousculer les stéréotypes dans nos médias et dans notre société. Nous avons eu plus de 10 productions journalistiques réalisées dans le cadre de ce projet. Les directeurs des médias aussi ont été sensibilisés à cette thématique, et vraiment on sent le changement aussi des comportements des journalistes eux-mêmes, femmes et hommes, à travers les sessions de coaching. Nous avons aussi eu un groupe Facebook, c'est un groupe vraiment fermé pour les participants à ce programme, où ils ont pu vraiment partager les idées, leur travail et avoir l'avis de leurs collègues. On a travaillé avec les adolescents dans une recherche-action, si on peut l'appeler. C'est avec une experte que les adolescents et adolescentes ont travaillé sur un diagnostic de perception des adolescents et adolescentes par rapport à tout ce qui est inégalité basée sur le genre. Que ces adolescents-là, donc, ils ont pris l'initiative pour faire des ateliers de sensibilisation, rien que pour en parler, comment ils ont vécu cette expérience, essentiellement toucher les décideurs ou les parents ou les professeurs ou les acteurs de la société civile. Voilà, prenez le temps d'être à notre écoute. Et même parfois, ils s'est trouvés dans un débat de qui sont voilà, les femmes doivent être comme ça, c'est ça la charia, c'est ça. Donc quand même, nos adolescentes, ils ont pu répondre avec des arguments assez solides, assez pertinents pour dire oui, Sharia a dit ça, mais aussi on a le droit qui dit ça. Donc ça, c'est assez important. Ils ont essayé, les adolescents, avec l'émission de Radio Ado Plus, de cette radio qui devienne la porte-parole, plus ou moins, et la voix pour partager avec d'autres leur expérience et même de une émission spécialisée par rapport aux questions de droit et leadership transformatif et questions de genre. Donc, et c'est une émission qu'ils ont choisie tout seul. Donc, c'est bien que c'est une initiative prise par les adolescents, une adolescente de l'équipe, qu'elle a dit voilà, après toute cette expérience-là, j'aimerais bien animer une session spécialement pour en parler sur cette thématique-là. Un cadre du ministère des technologies et de la communication du gouvernorat de Jandouba qui a appuyé ses trois collègues femmes à préparer leur dossier pour accéder de poste de direction. Le Forum des fédérations canadiennes a accompagné l'année dernière l'Observatoire des droits de l'enfant dans l'élaboration d'un bulletin des principaux indicateurs sur la situation de l'enfance en Tunisie. C'est un bulletin que publie chaque année l'Observatoire, mais la différence c'est que nous avons fait donc par le biais d'un soutien technique apporté par le Forum des fédérations canadiennes, nous avons rajouté une lecture genre de ces indicateurs. Donc ça, c'est la première fois.
Et nous avons travaillé avec les associations pour deux objectifs. Le premier objectif, c'est de travailler sur les membres des associations. Et je peux vous dire que nous avons, une cinquantaine de membres des associations qui ont eu réellement une transformation, qui ont eu un impact sur elles-mêmes, c'est-à-dire beaucoup plus de confiance dans leur association. Elles sont mieux structurées, leur association marche mieux, elles comprennent aussi leur rôle par rapport aux autres acteurs qui existent dans leur environnement. On a travaillé en premier lieu sur le changement qu'elles doivent effectuer sur elles-mêmes. Le changement sur les programmes de leurs associations. Je dois dire que je n'étais pas très optimiste au début, mais en tout cas, il y en a des changements qui ont été très, c'est des changements très marquants. Parmi les participantes, j'ai deux femmes non-voyantes. Aujourd'hui, l'une, elle a rejoint une radio locale et elle a sa propre émission. Dans chaque émission, les thèmes, les sujets traités, c'est en lien avec les femmes et les droits humains en général, mais spécifiquement les femmes. Non seulement elle est devenue active donc, à travers cette radio, mais elle est aussi point focal femme au sein de son association. Elle s'est imposée, elle a créé une commission femme au sein de l'association. On a d'autres associations qui travaillent sur la violence à l'égard des femmes et une autre association qui travaille sur le leadership transformatif, la gouvernance inclusive. Ils ont réussi à amener 26 municipalités à signer une charte où le sixième point, je pense, c'est de respecter l'égalité et la non-discrimination dans tous les programmes de la municipalité. Et il y a des associations à Kerouen. L'entrepreneuriat féminin ou le leadership féminin aussi, ils l'ont intégré dans leur programme des activités terrain. Avec le projet Forum, on a touché, quelle que soit la société civile, mais essentiellement on a touché les municipalités et les conseillères, dont les municipalités comme Jezelbeb et Souklahat. Et on est vraiment très heureux par rapport où on est arrivé parce que vraiment ces femmes-là, donc quels que soient ils sont questions d'estime, questions de bien sûr par rapport à elles-mêmes, donc de plus de confiance comme femme leader, femme de responsable dans sa communauté, mais qu'elle défend les droits des enfants et tout ce qui est par rapport à la non-discrimination. Donc ils ont essayé d'influencer et d'impacter par rapport qu'ils ont appris tout au long de ce parcours-là pour créer un changement réel. En fait, les adolescents qui étaient là-bas, c'était pas tous des personnes qui pensaient qu'il faut l'égalité. Il y avait des personnes qui pensaient que la vie c'est basé sur du sexisme et il faut vivre comme ça. Mais après, j'ai remarqué le changement, même les personnes ayant changé. Maintenant, je peux plus ou moins bien convaincre les décideurs de l'importance d'adapter l'égalité entre sexes dans leur prochain projet. Comme ça, on peut bien commencer. On peut dire que j'ai acquis une bonne base et les personnes qui étaient dans cette formation. Du coup, on peut sensibiliser pour devenir plusieurs et diffuser que c'est pas bien. Le sexisme, c'est pas bien. Il faut commencer très tôt, essentiellement avec l'adolescence. احنا عنا قناعة اللي التغيير ما يحصل إلا بفضل النساء. Ce programme a permis non seulement un rôle de leadership, mais il a permis à ce qu'on ait une voix de femme dans les municipalités. Les changements, nous les avons aussi vécus nous-mêmes. Nous avons certes donné la possibilité à d'autres pour apprendre, mais nous avons surtout appris. C'est un petit peu ça, c'est beaucoup de rêves. C'est une foi en son potentiel féminin, c'est une foi en nous-mêmes et c'est une foi dans l'apport de nos partenaires, foi en tout le potentiel qu'il est possible de mettre en place quand les fois au pluriel se rencontrent.
Tous ces beaux messages sont une invitation pour refaire notre Tunisie une nouvelle fois. Nous la referons par la détermination et par la concrétisation dans la réalité de tous les principes et valeurs de l'égalité qui ont été à la base de notre travail. Notre travail avec nos partenaires et surtout nos experts qui étaient le vecteur de transmission de toutes ces valeurs-là et ces principes. J'ai de l'espoir et j'ai confiance dans la nouvelle génération.